surprise avec les plats qui nous sont préparés. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le chef d'exception qu'on a, ça va donner un très très bon résultat. Et je vous souhaite, comme il l'a dit, de prendre beaucoup de plaisir. Bien travailler les mélanges. C'est là où il faut pas hésiter de prendre un peu de pamplemousse, un peu de crème de roquette avec la cornée pour que tout fonctionne. Quoi. Voilà. Avant de manger, vous savez, quand on goûte un vin, il y a la dégustation du vin lui-même, puis après il y a le fait qu'en mangeant avec, on modifie bien sûr la perception, on modifie les éléments gustatifs, et ça c'est important parce que le maître mot quand même du vin, c'est d'être bu en mangeant. Donc le plus important en fait, c'est l'accord qu'il y aura entre le vin et le plat. Le menu, je l'ai conçu. Après, ils ont fait le testing avec l'accord des vins et ça s'est plutôt bien passé. Je pense que moi, j'ai fait ma cuisine que je sais faire et que je fais d'habitude et ça a bien fonctionné de suite avec les vins. C'est simple, je pense que depuis 28 ans à Montpellier, on a côtoyé beaucoup de vignerons. Moi, je suis un amoureux du terroir d'ici, que ce soit Languedoc-Roussillon, autant que les terres, que le vin, que la mer, la Méditerranée. Donc, ça me semblait normal de venir ici pour promouvoir leurs vins, parce que ce sont des vins qui ont une histoire, qui ont un passé, où il y a un gros travail qui a été fait, surtout au domaine de Moisgassac. M. Guibert a été un des précurseurs à Languedoc-Roussillon pour mettre les vins en avant et de qualité. Donc, pour moi, c'était logique, c'était même un honneur de venir ici. Quoi. Moi, je fais un métier de générosité où on fait plaisir aux gens, où le partage est très important. Et les vignerons, c'est un peu pareil aussi, ils ont leur savoir-faire, mais ils aiment aussi bien partager, s'exprimer aussi. Donc oui, on a des affinités qui se font naturellement ou des fois qui se font sur des rencontres, hein, le hasard de la vie.